Ce samedi 3 février 2024, Suad Romero, famille nombreuse, la vie en XXL, a posté une nouvelle story sur Instagram sur laquelle elle évoque son absence. La mère de famille fait référence à des moments difficiles vécus par son clan. Un message énigmatique qui inquiète. Depuis que la famille Romero a accepté de participer à l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, cette tribu du sud de la France a gagné le cœur des Français. La preuve ? Près de 250 000 personnes suivent le compte Instagram de Suad Romero, la mère de famille à la tête d'une jolie tribu de 5 enfants. La jeune maman à l'accent chantant y distille au quotidien ses conseils pour aider les autres mamans dans leur organisation. Malheureusement, le contenu proposé par cette nouvelle influenceuse se fait de plus en plus rare. À la fin de l'année, la famille avait quelque peu disparu des réseaux. Elle avait finalement souhaité briser le silence sur cette absence pour ne pas plus inquiéter ses fans. Je voulais simplement vous dire que dans la vie, on a des priorités et nous, en l'occurrence, si est-il la famille. Donc j'ai préféré arrêter car je n'avais pas la tête à ça de toute manière, écrivait-elle. Puis, elle ajoutait qu'elle préférait quitter les réseaux sociaux plutôt que de poster du contenu moins qualitatif. Moi, j'ai envie de vous apporter de la joie et de la bonne humeur parce que si je fais la gueule, vous vous demanderez, qu'est-ce qu'elle a sous-sous ? Se justifiait-elle. Profiter de chaque moment quelques semaines plus tard, le constat est le même. Suad Romero est toujours aussi absente. Ce samedi 3 février 2024, elle a posté un nouveau message énigmatique. En effet, elle ne dévoile pas les raisons de son absence tout en tentant tant bien que mal de rassurer ses fans. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous vivons des moments difficiles, d'où notre absence. Alors merci pour vos messages. Je vous en parlerai au moment voulu. Merci à tous, nous allons bien. Prenez soin de vous. Que Dieu facilite à tous ceux qui sont éprouvés. Profitez de chaque moment, a-t-elle indiqué, sans en dire davantage. Espérons que Suad Romero retrouve très prochainement le sourire.